Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit et... Dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir, sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner la porte, c'est qu'il n'y a
ne me dérangera plus de rien. Si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame Smith. Vous avez l'air fâché. Ah ! C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Je t'ai pris de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait. Non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Smith. Eh bien, voilà. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement. Mais un pompier est aussi un confesseur. Eh bien, on se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle pourrait, non pas pour démonstration théorique, mais par des faits. C'est faux, puisque le pompier est là. Il a sonné, j'ai ouvert, il était là. Quand? Mais tout de suite. Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois que l'on a trouvé quelqu'un. Et la quatrième fois, vous ne comptez pas. Toujours, il n'y a que les trois premières qui comptent. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser, à mon tour, quelques questions. Allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'était bien vous qui aviez sonné? Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte. Vous sonnez pour entrer. Je ne le dis pas. Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner à la porte, c'est que quelqu'un sonne. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Certainement pas. Je te répète que je te parle seulement des trois premières fois, puisque les quatre fois ne comptent pas. Et quand on a sonné la première fois, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte? Trois quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne? Personne, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez entendu sonner la deuxième fois? Oui, ça n'était pas moi non plus. Et il n'y avait toujours personne. Oh, victoire! J'ai eu raison! Pas si vite! Mais qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Ah, rien. Je restais là, je pensais à des tas de choses. Et la troisième fois, ce n'est pas vous qui avez sonné? Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. C'est parce que je me suis caché. Ne riez pas, monsieur le capitaine. L'affaire est trop triste. En somme, nous ne savons toujours pas si lorsque l'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez encore raison tous les deux. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois, il y a quelqu'un, d'autres fois, il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. On s'est déjà embrassés tout à l'heure. Ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à mettre tout cela en fleur, mettez-vous à l'aise. Enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Oh, excusez-moi, je voudrais bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je vous avoue que je suis venu pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Je vais vous prier de vouloir bien excuser mon indiscrétion, mais est-ce que je peux de bon cœur? Ne vous gênez pas. Que nous sommes de vieux amis, il vous raconte tout. Dites, et voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous?
Pourquoi me demandez-vous ça? C'est parce que, excusez-moi, j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, tous. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Il ne doit rien y avoir. Ça ne sont pas eux aussi. Rien du tout. Vous n'auriez pas un petit feu de cheminée, peut-être? Quelque chose qui brûle dans le grenier? Ou dans la cave? Un petit début d'incendie au moins? Écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas, vous me rendrez service. C'est promis. Et chez vous, ça ne vaut pas non plus? Non. Malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal. Il n'y a presque rien. Quelques bricoles, une cheminée, une grange. Rien de sérieux. Ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va. C'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture, cette année c'est comme pour le feu, ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Pas d'inondation non plus. Mais il y a du sucre. C'est parce qu'on le fait venir de l'étranger. Pour les incendies c'est plus difficile, trop de taxes. Est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes? Ça, rien à faire, il est assuré contre l'incendie. Allez donc voir de ma part le vicaire de Wakefield. Je n'ai pas le droit d'éteindre le feu chez les poètes. L'évêque se fâcherait. Ils éteignent leur feu tout seuls. Ou bien, ils les font éteindre par des vestales. Essayez voir chez Durand. Ah, je peux pas non plus. Il n'est pas anglais. Il est naturalisé, selon. Les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais pas celui de les faire éteindre si elles brûlent. Puisque vous n'êtes pas trop pressé, monsieur le capitaine, restez encore un peu. Vous nous ferez plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh, bien sûr, vous êtes charmant. Oh, oui, oui, des anecdotes, bravo. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires chez les pompiers sont vraies. Toutes et vécues. Commencez. Commencez. Silence, il commence. Excusez-moi, ne me regardez pas comme ça. Vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Il est charmant. Je vais tâcher de commencer. Mais promettez-moi de ne pas écouter. Mais si on ne vous écoutait pas, on ne vous entendrait pas. Oh, j'y avais pas pensé. Eh bien, voilà. Le chien et le bœuf. Fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf disait à un autre chien: pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe? Pardon? Répondit le chien. C'est parce que j'avais cru que j'étais éléphant. Quel est la morale? C'est à vous de la trouver. Il a raison. C'est à ton tour, chérie. Oh, j'en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le Bouquet. Une fois, un fiancé avait donné un bouquet de fleurs à sa fiancée qui lui dit merci. Lui, sans dire un seul mot, lui prit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon. Et lui disant je les reprends, il lui dit au revoir et s'éloigna par-ci. Par là. Charmant. Vous avez une femme, monsieur Martin, dont tout le monde est jaloux. C'est vrai. Elle est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine. On le dit. Encore une, capitaine. Oh, non, je peux pas. Il est trop tard. Madame, monsieur, que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? Que madame et monsieur, et c'est la même histoire aussi. Je voudrais
folle. Elle veut dire elle aussi des anecdotes. Pour qui se prend-elle? Oh. Tu crois, mais vous? Vous êtes vraiment déplacés. Mais c'est elle? Pas possible. Et vous? Pas possible. Ici. Qu'est-ce que ça veut dire, toute ça? Vous êtes amis? Et comment donc? C'est trop fort ici, chez nous, dans les environs de Londres. Ce n'est pas convenable. Oh, mais c'est elle qui éteint les premiers feux. Je suis son petit jet d'or. Si l'on est ainsi, chers amis, ces sentiments sont explicables, humains, honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas la voir là. Parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Vous avez trop de préjugés. Moi, je pense qu'une bonne, en somme, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Ne vous en faites pas. Ils ne sont pas si méchants que ça. Vous êtes attendrissants tous les deux, mais aussi un peu... Oui, c'est bien le mot. Un peu trop voyant. Il y a une pudeur aux Britanniques, incompris des étrangers, même des spécialistes, grâce à laquelle, pour m'exprimer ainsi... Je voulais vous raconter... Ne racontez rien. Aussi. Allez, ma petite Mary, allez gentiment à la cuisine et lire vos poèmes devant la glace. Tiens, sans être bonne, moi aussi, je lis les poèmes devant la glace. Ce matin, quand tu t'es regardé dans la glace, tu ne t'es pas vu. C'est parce que je n'étais pas encore là. Je pourrais peut-être vous réciter un petit poème. Ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtu. Je vais vous réciter un poème. Alors, c'est entendu? C'est un poème qui s'intitule Le feu. À l'allure du capitaine.